Mamma mia, qu'est-ce que vous êtes nombreux. Ça commence. Bonsoir à tous. Bon, écoutez, merci, mille merci d'être là. Ce soir, c'est un soir un petit peu particulier. C'est Mamma mia, quand les dieux s'en mêlent. C'est tout le travail qu'on a fait pendant l'année avec les élèves. Et c'est un très gros travail. Et j'espère que le spectacle va vous plaire. Alors, juste quelques mots parce que pour vous dire que pour arriver à faire tout ça, il y a l'éducation nationale à laquelle nous appartenons tous, mes collègues et moi. Et puis, il faut quand même une association qui s'appelle Musico-Lycée. Et du coup, cette association, c'est des bénévoles. On est des bénévoles, on est des profs ensemble. Alors, il y a Myriam, Cécile, Franck, Benjamin, moi. Et on met en place, et il y a aussi des généreux donateurs. Et on essaye de faire en sorte de pouvoir effectivement louer des salles comme le Foirail, qui est une super salle. Vous allez l'entendre. Et tout ça, c'est aussi grâce à vous, parce que vous venez au spectacle et on vous en remercie encore. Alors, d'ores et déjà, on a donc découvert, nous, cette année, le Foirail pour la première fois. Donc, on a découvert une super équipe. D'accord, technique. Et on voudrait remercier Nico et Pitou à la lumière. Fabien à la régie générale. Pour le son, Cécilia, Jean-Philippe, Chabi et Timothy. Pour la régie plateau, Régie Plateau, c'est Martin. Et puis, comme chaque année, on a un partenariat aussi avec l'association La Cuma Movie qui va filmer ce soir. Donc, vous avez vu les caméras. Et puis, ce spectacle, donc la captation, elle apparaîtra dans quelques semaines. On va leur laisser un peu le temps de faire le montage. Elle apparaîtra sur Internet. Sur YouTube, et à ce moment-là, vous pourrez tous la regarder et revoir les spectacles et les chanteurs extraordinaires, les musiciens extraordinaires, voilà. Donc, voilà. En attendant, écoutez, on vous souhaite un bon spectacle et, comme on dit en anglais, enjoy. Mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous présentons ce soir une comédie musicale. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de comédie musicale, nous préférons vous avertir dès à présent. Le spectacle de comédie musicale auquel vous allez assister ne sera compréhensible que si vous identifiez bien les différents personnages. Attention, écoutez bien. Il peut arriver qu'un même personnage soit joué par deux comédiens. L'un prend en charge les parties, disons, théâtrales, l'autre les parties chantées. Autrement dit, l'un est comédien, l'autre soliste. C'est pourquoi, pour que tout soit bien clair, nous avons préparé un petit générique. Musique. Alors, soyez vigilants, quand il y a deux personnes pour un même personnage, c'est que le personnage est joué par deux personnes. C'est bien clair, on y va. Nous avons l'honneur, mesdames et messieurs, ce soir, de recevoir le dieu des dieux, le maître de la foudre, l'intempestif Zeus. Suivi de très près par la déesse de la beauté et de l'amour, celle qu'on ne présente pas,
celle qui ronronne dans le cœur de chacun, j'ai nommé Vénus. Vient ensuite le dieu des frimeurs, des baffes magistrales et magiques, il a perdu son arc. Le grand, l'éblouissant, l'éclatant, Eros. Malheureusement, les dieux coûtent cher. Nous en resterons donc là pour l'Olympe. Place aux humains. Nous sommes à la veille de la noce. Je vous demande donc, mesdames et messieurs, de faire un tonnerre d'applaudissements pour la future mariée, Sophia. Et le futur marié, j'ai nommé Sky. Vient ensuite la ravissante et radieuse mère de la mariée, Donna. Attention, les choses se compliquent. Voici trois pères potentiels de Sophia. Harry le banquier. Samy le professeur. Et Billy le médecin. Lisa est la meilleure amie de Sophia. C'est elle qui vous annoncera que les mariés arrivent après la noce. Vous verrez. Et maintenant, voici Pepper, meilleur ami de Sky et personnage clé de notre histoire. Retenez bien ce visage. Et enfin, pour finir en beauté, un autre visage à retenir, si vous y parvenez, je vous présente l'inénarrable Rosa. Et voilà, mesdames et messieurs, les présentations sont faites. Que la noce commence! Voilà, lui aussi. Ma petite Sophia, dois-je te rappeler que tu n'as pas de père? J'ai forcément un père, mère. Bon, écoute, j'ai une tonne de choses à faire, alors si tu veux bien m'excuser. N'empêche, j'ai forcément un papa, parce que si je n'en avais pas, je ne serais pas née, et si je n'étais pas née, je n'existerais pas. Or, aïe, j'existe bel et bien. Donc je suis née, donc j'ai un papa. C'est QFD. Je m'ennuie, mais je m'ennuie! Comme une croûte derrière une malle. Avant, on s'enterrait ça à nous. Je veux dire, les hommes, ils nous craignaient. Ils faisaient des choses ridicules, comme se faire des guerres, bâtir des temples. Mais aujourd'hui, qui se préoccupe de vieux dieux comme nous? Personne, à part quelques latinistes. Ridicule. Dites-moi, vous deux, n'y a-t-il pas là, en bas, quelque chose qui me désennuierait? Une petite aventure humaine à me mettre sous la dent? Non. 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 Ah? Non. Oh. Ah? Ah? Si. Là, en bas, il y a quelque chose. Eh bien, alors, qu'as-tu vu? Oh, ça va, hein? On est à table. C'est toujours la même chose. Les repas commencent bien, et puis après, trop d'ambroisie, et on perd patience. Faut dire que ça va pas vite non plus, hein?
pourquoi est-ce que tu as tout raconté? Ah merde, c'est pas moi. Eh bien, qu'as-tu vu? Donc, ô Dieu des dieux, puisque vous le demandez si gentiment, j'ai vu là, en bas, un petit mariage qui se prépare. Que je vous raconte. Alors voilà, il y a Sophia, elle va épouser Sky. Sa mère, Donna, ne sait pas qui est le vrai père de Sophia. Il y en a trois possibles, Sammy, Billy et Harry. Trois crétins finis. Au final, on ne saura pas qui est le vrai père de Sophia. Et sa mère, Donna, va épouser Sammy. Et Sky n'épousera pas Sophia. Voilà l'histoire. Pourquoi est-ce que tu m'as tout raconté ? On dirait un peu Mamma Mia, non ? C'est pas terrible, terrible comme scénario, dis donc. Pourquoi est-ce qu'elle a tout raconté ? Oh bah ça va, hein, si ça vous plaît pas, tu n'as qu'à trouver mieux, toi, Eros qui est si malin. Non, mais figure-toi que ça me donne une idée. Père des dieux, je vous propose de me mêler à la noce. Je vais aller chambouler un peu tout ça, et je vous garantis un spectacle dont vous me direz des nouvelles. Laissez-moi faire. Et voilà. Une pour Sammy, une pour Billy, et une pour Harry. Maman va m'en vouloir, mais tant pis. Il faut bien que je sois sûre que j'existe, après tout. Mon pauvre Eros, avec cette apparence, pas sûr. Mais qu'est-ce que c'est que ce corps et ce visage? C'est d'un banal. Tu trouves? Moi, je trouve plutôt pas mal, en fait. Regarde ces grands bras et cette silhouette élancée. C'est autre chose que les courteaux que tu as l'habitude de séduire. Bon, Parce que tu m'excuseras, mais ton Héphaïstos... Bon, admettons que ton bonhomme soit plutôt pas mal. Mais qui est-ce d'abord? Je te présente Pepper. J'ai pris son apparence. C'est le meilleur ami et confident du marié. Je vais le remplacer pour quelques heures. Le véritable Pepper est dans la pièce d'à côté. Je l'ai gavé d'ambroisie. Il dort comme un nourrisson.
Ah, enfin un peu de distraction. Mon brave Eros, mon mignon petit Poutot. Soyez gentil, voulez-vous? Et allez-y. Mais alors enfant, pas de gants. Je veux du grand spectacle. Des rires, du sang, du chant, des larmes. La totale. Alors, adieu. Pensez à moi de temps en temps, de votre petit cupidon d'amour. Et n'oubliez pas que nous nous aimâmes, n'en déplaise à ces idiots d'humains. Ils pensent, c'est vraiment trop drôle, que nous autres, les immortels, nous nous accouplons, comme eux. Ils pensent aussi que vous êtes ma mère au passage. Ma mère! Tu es prête? Comment te sens-tu? Oh là là, la chance que t'as. Un mariage, avec un si beau garçon, et riche en plus. Tu as vraiment touché le ciel, ma chère Sophia. Oui, je suis très heureuse. Écoute, tu sais ce que c'est, ça? C'est le journal intime de maman. Quoi? Comment tu l'as eu? C'est très simple. Je l'ai pris dans sa chambre, dans son armoire, dans le troisième tiroir de gauche en partant du bas, après avoir volé la clé du tiroir dans son sac à main suspendu à la patère de l'entrée, cette question. Et tu l'as lu? Ben, évidemment, sinon pourquoi je l'aurais volé? Non mais des fois, Lisa, tu m'inquiètes. Et alors? Sophia, tu me dis ce que raconte ce fichu journal ou pas? Pardon, j'étais ailleurs. Il raconte juste que j'ai trois papas. Il dit que maman a eu trois liaisons dans la même nuit avec trois hommes et qu'ensuite, elle m'a eu moi. Mes papas s'appellent Billy, Sammy et Harry. Mais techniquement, Sophia, un seul est réellement ton père. Techniquement? Que veux-tu dire? Bah, on ne peut avoir qu'un père. Mais pourquoi ça? C'est comme ça. Tu n'auras qu'à demander à Sky de t'expliquer. C'est quand on fait la chose. La chose? Tu sais bien, quand on se dit chérie et tout ça. Thank you.
Alors, que fait donc ce bougre des Rosses? Je m'ennuie toujours. C'est d'un mou, mais d'un mou. Qui a donc créé ces humains tout mous? Eux pensent que c'est le bon Dieu, au grand Zeus. Le bon qui? Bon, je ne veux pas savoir. Il aurait mieux fait de s'abstenir en tous les cas. Parce que la terre, c'est un beau paysage. Mais franchement, cette vie-là, non. Et toi, des nouvelles d'Eros? Non, et ça ne m'intéresse pas. Eros, les humains, je présente une catastrophe. Allons, allons, tu dis ça parce que... Mais, qu'est-ce que... Ton mari est revenu? Non, ce n'est pas lui. Héphaïstos est au charbon, comme toujours. Alors qui, par ses borborygmes hors de propos, trouble ainsi mon divin repos? Qu'est-ce qui te fait rire? Non, c'est juste que j'aime bien quand vous faites vos grandes phrases. Mouais. Bon, qui donc me casse la tête? Oh, il y en a de la sorte. C'est je. Crois, mais arrêtez de bailler, Pepper, le petit... Pepper, le petit humain qu'Eros nous a mis à dormir dans la pièce d'à côté. Il a l'air de vouloir se réveiller. Je vais voir ça. Alors, ma chère, comment tu me trouves? Tu vois, ils ont retouché les chairs molles du cou, sous le menton, le nez, le front, les paupières. Sur la lèvre supérieure, ils ont redessiné l'arc de Cupidon. Mais sur la lèvre inférieure, ils n'ont rien fait. Il paraît qu'elle est très bien comme ça. Mais je doute. Tu penses quoi, toi? J'en pense quoi? De quoi? Et de ma lèvre inférieure, voyons. Nous venons à peine de nous retrouver, et déjà, tu ne m'écoutes pas. Oui, non, mais excuse-moi. Enfin, c'est ce mariage-là, je ne m'y fais pas. Quel besoin, ma fille, d'aller se marier? Elle a à peine 20 ans. Est-ce que nous sommes mariés, nous? Eh bien, moi, ma chère, plusieurs fois. Oui, non, mais je veux dire, vraiment mariée. Toi, tu cours juste les comptes en banque. Bah, c'est élégant, ça. Je te remercie. Mais d'ailleurs, en parlant de mariage, tu les as invités? Et qui donc? Mais les pères supposés, voyons, Samy, Billy et Harry. Eux? Mais t'es sérieuse? Je ne leur parle plus depuis 20 ans. Je ne vais tout de même pas les inviter au mariage de ma fille. Mais chut, voilà Sophia et Sky. Sophia, mon enfant, comme tu as grandi! J'ai failli ne pas te reconnaître. La dernière fois que je t'ai vue, tu avais quoi? 12 ans? Que tu as de grands bras! Ah, c'est que je n'existe pas, voyez-vous. Pardon, mais vous-même, vous êtes... Rosa! Mais Rosa, voyons. Tu ne nous reconnais pas? C'est-à-dire que... On se fait la bise? Laisse-moi t'embrasser! Rosa, je te présente mon fiancé qui, dans quelques heures, sera mon époux. Sky, Rosa. Rosa, Sky. Rosa est une amie de maman. Alors, vous êtes le fameux Sky, l'heureux élu. Enchantée. On se fait la bise? Moi? Moi? Sky, c'est original, ça, comme prénom, dites-moi. Vos parents doivent aimer le cul, mais sans en avoir les moyens! Il gagne bien sa vie, au moins. Parce que tu sais que c'est capital, capital. Mon ex-mari a fait faillite. Je n'avais plus les moyens de payer ma chirurgie. J'ai dû laisser des parties entières inachevées. Regarde ça. Les joues, les arcades sourcilières. J'en suis malade. C'est pour ça que je l'ai quitté. Le pauvre homme. Pardon, parce que... C'est triste quand on y pense. De toute façon, je suis une vieille folle. Une rose. Oui, c'est ça. Une rose qui refuse de faner. Mais qui est ce beau jeune homme? Qui, Pepper? C'est le témoin de Sky. Rosa, tu es incorrigible, il a au moins la moitié de ton âge. La moitié de moi? Non, tu exagères toujours tout. En tout cas, il est magnifique. Mais regarde-moi ce port, ce corps extraordinaire. Magnifique. Pepper, dis-tu? Voilà qui pimente le séjour. Petit piment, bonjour. Il est charmant, charmant. Je me sens très lasse tout d'un coup. Sûrement la fatigue du voyage. Oui, tu as raison, t'es toute pâle. Tu devrais t'allonger. Nous allons te raccompagner à ta chambre, viens. Alors, il gagne combien ton Sky? I walk all night, I walk all day, I'm here to be.
bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to me a single penny left for me. That's too bad. In my dreams I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. It'd fall around and have a ball. Money, money, money must be funny in the rich man's world. Que je t'embrasse. Smil, comment vas-tu, vieille branche? Smil, oh, dans mes bras, mon vieux. Ce bon vieil Harry. Ça fait combien de temps, dis-moi? Harry, mon ami. Longtemps, bien trop longtemps. Allez, viens que je te serre. Oh, t'as pas changé, mon vieux. Toi non plus, Samy. Ah, on fait ce qu'on peut. Hein. Dites, ça ne vous étonne pas quand même que Donna nous ait invités tous les trois? Enfin, je veux dire, c'est un secret pour personne qu'elle nous détestait. Bonsoir, messieurs. Je présume que vous êtes Samy, Harry et Billy? Et vous êtes, mademoiselle? Ah, moi, je ne suis personne. Vous comprenez, je n'ai pas de père. Quelqu'un a une idée de qui est cette jeune évaporée? Non, étrange. Très étrange. Ah. Et ça? Quoi, ça? Oh, là, comme il est beau. Oh, vous êtes... Si, si! Magnifique! Merveilleux. Extraordinaire. Je peux vous toucher? Vous embrasser, la joue, juste la joue. Votre main, donnez-moi votre main. Billy? Je n'avais jamais remarqué que tu avais de si beaux yeux. Si bleu. Incroyable comme j'ai des joues. Elles sont toutes roses. Oh mon Samy, oh mon bon vieux Samy. Oh ses lèvres, on dirait une fleur. Montre-moi un peu ses dents.
Oh, qu'elles sont blanches, mon vieux, blanches. C'est... si bleu. Toutes roses. Blanches, blanches. Humaine. Regarde, toi Eros, il entre en action. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Oui, je sais, tu as raison. Pour l'instant, c'est vraiment n'importe quoi. Tu es la fille de Donna? Ah, tu es la fille de Donna. Mais tu sais peut-être alors. Quoi? Pourquoi ta mère nous a invités? Mais non, c'est moi. Pardon? C'est moi, Sophia. Enchantée. Non, je veux dire, c'est moi qui vous ai invité. Mais c'est un secret, il ne faut pas que maman le sache. Je suis heureuse de vous rencontrer. Chantons. You were a dancer before you could walk. She says I began to sing long. You sang before you could talk. But I often wonder, how did it all start? We found out that nothing can capture a heart like a melody can. Well, whoever it was, I'm a fan. So I say thank you for the music, the song I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what will life be without a song or a dance? What are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Ta mère à la fin. Elle me détestait, ta mère à la fin, tu comprends? Mais c'est rien, ça me fait rien, allez, tu verras. Thank you.
commence à devenir savoureux tout de même, non? Ouais, c'est pas du Tchekhov non plus. Tu n'es pas objective, ma petite Vénus. C'est le cœur qui parle et le cœur est brisé. Et le cœur est brisé n'importe quoi. Y a quelqu'un? Le cœur va très bien pour votre gouverne. Il s'est remis à battre, je l'entends. Youhou! Y a quelqu'un? Il frappe dans mes côtes comme on frappe à la porte. Quelqu'un peut me dire où je suis? Comme on frappe à la porte. Ce qu'il ne faut pas entendre. Et non! Nom de moi! Mais qui c'est qui gueule comme ça? Vous savez bien, c'est Pepper, l'avatar d'Eros. Je l'ai laissé toute seule dans la pièce d'à côté. Il a l'air de vouloir se réveiller. Eh bien, Pepper ou pas, il me vrille les esgourdes. Va le faire taire, veux-tu bien? Avec plaisir. Sammy! Espèce de sale! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Bon, parle! Qu'est-ce que tu... Putain, mais c'est bizarre ça! J'ai l'impression d'avoir un truc dans le dos! Bon, tu m'expliques ce que tu... Sammy? Mon Sammy? Mais je suis, mon cher ami, très heureux de te voir! Mais que tu es beau, dis-moi, magnifique! Et tes dents comme elles sont blanches! Ma chère Donna, mon Danone, ma Madone! Mon Sammy, mon ami, mon amour, mon âme! Et à quoi vous jouez tous les deux? Si, au cas où, hein, si on vous dérange, vous nous le dites. Mais je suis folle de joie, je t'ai trouvé enfin mon Bilbo qui est adoré. Donna,
comme je t'aime soudain. J'ai envie de m'ouvrir la poitrine pour te donner mon cœur. Vous êtes tous devenus complètement fous. Harry? C'est toi, mon Harry? Mon Haribo? Mon Haricot? Je me ferai accueillir. Mon Aristote? Mon Arizona? C'est beaucoup, c'est beaucoup. Je t'offrirai mes poumons aussi, mes reins et ma rate. On y sera gagnant, je t'écrirai des cantates. Mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? My, my, just so much I miss you. Mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist you? Mamma mia, does it show again? C'est comme ça. Tu vas lui dire? Il faut lui dire, hein. Oui, non, je pense pas, hein. Ça pourrait être Billy aussi. Oh, j'aimerais bien que ce soit Billy. Ou Harry. Harry, ce serait vraiment bien. Ah! Ils me plaisent tous les trois. Et Sophia qui veut absolument un papa. Dis, tu m'écoutes? Allô, Rosa, ici la Terre. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pâle. Quoi? Bah, je te demande ce qui t'arrive. Ce qui m'arrive. Et je te regarde simplement. C'est fou à quel point tu peux être si belle, si séduisante et appétissante. C'est beau, ses lèvres, ses paupières, ses cheveux. J'ai envie de les manger. Dis, me laisserais-tu mâcher tes mèches? Tu veux mâcher? Mais Rosa, t'es devenue folle ou quoi? C'est juste que tu es tellement belle, je... Une reine, voilà ce que tu es. Une extraordinaire reine. Dancing queen,
one would you? You're in the mood for dance. C'est pour bientôt, s'il a lieu, parce que Rose semblait bien décidée à semer la zizanie. Yo-ho-ho-ho ! Tu vois, Pepper, là, à droite, c'est toi. Enfin, c'est Rose qui a pris ton apparence. Là ? Oh là là, ça fait bizarre ! Dites, je peux regarder ? Oui, pardon. C'est un peu cheap, non, comme mariage ? Il me semblait que ce Sky était très riche. Regarde, tu es pas mal, hein ? Tu es en bras de chemise, on voit tes avant-bras. Ouais, je ne voyais pas aussi musclé. Mais si, mais si. Non mais, si je vous dérange, vous me le dites, hein. Oui, pardon. Mais que fait Eros? On ne le voit plus. Et là, cette jeune fille, c'est qui? Oh, mais c'est Lisa. Vous voyez comme son visage est doux, délicat. Un visage doux? Je ne vois pas, non? Mais si, là, regardez comme elle est gracieuse. Ça? Mais ce n'est rien, voyons. Une petite mortelle insignifiante. Oh! Et poussez-vous devant mon écran, nom de Zeus! Oh, pardon, ça va! Tiens, regardez! Il ne reste plus que les jeunes mariés. Taisez-vous un peu maintenant qu'on écoute. Comment va mon futur époux? Il est aux anges. Écoute, Soph, je t'aime, tu le sais, ça, hein? C'est bien vrai, mon petit Skiki? Oh oui, ma Soph. Moi aussi, mon Skiki. Tu sais, je t'aime tellement que parfois, j'ai l'impression que je deviens complètement idiote. Avec les autres garçons, je me sens plus... Attends une seconde, les autres garçons. Non. Quel autre garçon? Je veux dire avant, les garçons d'avant. Maintenant, il n'y a que toi, mon Skiki. C'est toi que j'épouse et personne d'autre. Et puis, dans quelques heures, je serai enfin quelqu'un parce que j'aurai au moins un papa, ou peut-être même trois. Donc tu n'épouseras pas personne. C'est formidable, ça. Oh tiens, voilà Pepper. Comment ça va, mon pote? Bonjour, mon beau Pepper. Comme tu es chic. C'est quoi ce tissu? Je peux toucher? Soph, qu'est-ce que tu fais là? Ces petites oreilles bien ourlées. Regardez-moi cet hélix. Et là, la fosse triangulaire, magnifique. La conque, admirable. Le tragus, parfait. Ce n'est pas une oreille, mon beau Pepper. C'est un vrai chef-d'œuvre. Oh, et ce que... Soph, qu'est-ce qui te prend? Écoute-moi. Thank you.
Je veux pas le savoir. Je serai toi, j'irai voir ailleurs avant que je te mette une grosse tarte. Skiki ? Mon amour, que se passe-t-il ? Je sais pas, j'ai la tête qui tourne. Que s'est-il passé ? Rien, laisse tomber. C'était quoi cette histoire avec Pepper ? Avec Pepper ? Que veux-tu dire ? Je sais pas, tu agissais bizarrement, tu semblais. Mais tu le draguais, sauf. Oh, attends, tu vas pas me dire que tu es jaloux de ce pauvre Pepper ? It was like shooting a silly time. Cause my head, maybe I was stuck. I used to think that was sensible. It makes the truth even more incomprehensible. Il doit avoir quoi ? 2 ou 3 ans de ma foi ? Tu veux dire 30 ? 30 ? Et pourquoi pas 40 entier ? Non, tu as raison. Tu as l'air si jeune ! Oh, ça va, hein ? Ne t'es pas ma tête non plus ! Non, je t'assure, je suis sincère. Tu es magnifique, tu me plais. Oula ! Arrête de déconner, Donna. Ce n'est pas drôle. Ce qui est drôle en revanche, c'est que je n'avais jamais remarqué à quel point tu es si séduisante. Ce vêtement te va ravir, tu sais. Et toi, tu portes si bien le bandage. Ça te donne un charme fou. Nous devions nous marier, n'est-ce pas? Oh oui, tu as raison, marions-nous depuis le temps qu'on se connaît. Nous serons un couple extraordinaire. Les gens seront tellement jaloux de nous. J'imagine déjà la tête de Samy.
success that never ends. Still I'm thinking about you. J'ai l'impression d'être brutalement devenue inhumaine. Je ne sais plus ce que j'éprouve. Sammy, Billy, Harry, Rosa. J'aime tout le monde. Ce qui revient à n'aimer personne, non? Au fond, je me sens seule. Ces satanés humains, ils voudraient tous être nous. Divins, immortels, tout-puissants. Ils ne connaissent pas leur chance. Ils ont les autres pour eux. Ils s'aiment, ils s'entraident. Ils se disputent, ils discutent, ils se méprisent, ils se désirent, alors que nous, pauvres dieux, nous sommes seuls. Oui, c'est comme si quelque chose s'était ouvert trop grandement en moi. Une béance qui me laisse infiniment seule. Oui, pauvres dieux, infiniment seuls. Moi, par exemple, Vénus, déesse de l'amour, de la séduction, moi qui fais s'aimer les hommes, j'aimerais bien avoir, moi aussi, quelqu'un à aimer. Si seulement j'avais quelqu'un à aimer, quelqu'un de sûr, de stable, de solide. Ces jeunes Pepper, par exemple. Sammy, plutôt. Un cœur innocent. Un cœur droit. Plein de charme. Discret. Ça pourrait être lui. Mon compagnon. Dans le vide de l'immortalité. Avec Eros, ce n'est plus possible. Nous sommes deux solitudes qui cheminons parallèlement sans nous rencontrer, comme tous les dieux. Oui, enfin, je ne peux cheminer sur une voie séparée des autres. Les chemins finissent bien par se croiser, non? Et puis rester avec moi-même, c'est plus possible. Oui, c'est décidé. Moi, Vénus, née du jour, née de l'écume, il me faut quelqu'un à mes côtés. Oui, et puis, je suis déjà mère célibataire et je vais bientôt perdre ma fille. C'est résolu, il me faut un homme à mes côtés. Thank you.
De temps en temps, nous faisons en sorte que vous nous divertissiez un petit peu. Mais ce n'est pas bien méchant. Pas bien méchant, pas bien méchant. J'aimerais bien vous y voir, si on faisait la même chose avec vous. Mon Pepo, c'est que tu n'en as pas le pouvoir. Vous, les humains, votre condition vous limite un peu, tu sais. Un jour, vous verrez. Oh, mais c'est qu'il est rebelle. Ce n'est pas pour me déplaire. C'est vrai. Oh, mais tu le sais bien, mon beau petit grain de poivre. Je crois que je suis de nouveau amoureux de ta tante. Ah oui ? C'est bien ça ? Oui, mais je sais pas trop ce qui se passe. C'est un peu comme si ta mère, elle aimait tout le monde, tout ce qui bouge. J'ai vu ça. Elle aime Rosa. Elle m'a dit qu'elles allaient se marier. Quoi ? Tu sais, moi aussi je vais me marier. Oui, non mais Rosa. Et pourtant, tout à l'heure, j'ai fait du gringue à Pepper, le meilleur ami de mon skiki. Et je l'ai même dragué, je crois bien. Oui, mais revenons à Rosa, tu veux bien ? C'est étrange quand même. C'est comme si tout le monde devenait fou. Et toi, Billy, à part pour maman, pas d'amour impromptu ou incongru à l'improviste ? Peut-être pour Rosa ? Pour... Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ou pour Harry ? Ou pour Sammy ? Il se passe un drôle de jeu. Quelqu'un, je ne sais pas encore qui, mais je le sens, quelqu'un tire les ficelles. Quelqu'un joue avec le cœur des hommes. Feel me the way I am.
make me feel, and you make me show what I'm trying to conceal. If I trust you, would you let me down? Would you laugh at me if I said I care for you? Could you feel it the same way too? I wanna know the name of the game. Make me show what I'm trying to conceal. Trust in you. Would you let me down? Would you laugh at me if I said I care for you? Could you feel it the same way too? I wanna know. Oh yes, I wanna know the name of the king. I talk to your mother tonight. Doesn't mean anything. Trust me, I'm doing what's right, burning me to life. What's the name of the game? I talk to your mother tonight. Can you feel it the way I do? Gotta trust me, I'm doing what's right, burning me to life. What's the name of the game? I talk to your mother tonight. Doesn't mean anything to me. Gotta trust me, I'm doing what's right, burning me to life. What's the name of the game? Ça fait plaisir. Parce que tu comprends, sans père, on est fille de rien et donc rien soi-même. Là, ma chère enfant, j'ai eu un petit peu de mal à te comprendre. Mais c'est pas grave. Thank you.
je crois. Ah non, je croyais avoir un père, mais en fait, mon père n'est personne. Personne? Mais ma fille, c'est impossible. Si ton père n'était personne, tu n'aurais pas de père. Et si tu n'avais pas de père, tu n'existerais pas. Hein? Aïe! Tu existes. Et je suis ton père. Papa? Ma fille. I know what you think. The girl means business, so I love her drink. Je le cherche depuis tout à l'heure, mais il a disparu. Ce n'est pas possible, il ne serait pas enfui quand même. Que deviendra-t-il dans ce monde qui n'est pas le sien? J'étais censée le protéger. Mon Dieu, faites qu'il ne soit rien arrivé. Sammy, tu m'as tellement manqué. Reste ici, s'il te plaît, auprès de moi. Près de Sophia et moi. Oh, Madonna. Dès que j'ai posé les yeux sur elle, je me suis sentie, voyons voir, exister. Je n'étais plus personne. Et j'ai su qu'elle était, tu sais, ma fille. Ah oui, oui, oui. Mais, enfin, je veux dire, peut-on jamais être sûr à 100%? Bon, alors, tu restes? Je vais vivre ici. Ce sera merveilleux. J'ai l'impression d'avoir 20 ans et de te redécouvrir pour la première fois. Je sens ce feu qui brûle en moi quand je te regarde. Ah.
toute rapidesse, that seems so hard to find. I try to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happens to her, I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. So when you need me, darling, can't you bring me SOS? The love you gave me, nothing else can save me, SOS. And when you go, how can I even try to go on? When you go, what I try, how can I carry on? Something that I fear. I really tried to make it out. I wish I understood what happened to our love. It used to be so good. Notre banquier qui arrive. Et voilà Eros qui se tortille devant ce pauvre Harry. Tu devrais venir voir Vénus. Vénus ! Vénus ! Vénus ! Oh. Tu sais pas ce que tu rates, ma vieille. Après toutes ces années à aider les gens à placer leur argent, aujourd'hui, c'est à toi que je me confie. Mais Harry, t'es devenu fou. Je ne vais tout de même pas accepter une telle somme. Mais c'est une belle somme, dis-moi. Je pensais pas que je représentais autant pour toi. Je
Je crois bien n'avoir jamais vu autant de biais de ma vie. Mon banquier, mon petit banquier, viens vivre ici avec moi! Alors ça, mon vieux, tu vas me le payer! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais tu crois que j'ai pas compris ton petit manège? Quand t'es dans les parages, tout va mal! Mais tu crois que tu vas t'en sortir comme ça, mon petit père? Tu te souviens, il y a 20 ans, quand on s'est rencontrés? Nous n'étions pas aussi riches. Mais qu'est-ce qu'on était heureux! I still see it all. Walks along the Seine, laughing in the rain. How last summer memories that remain. We made our way along the river, and you sit them in the grass by the Eiffel Tower. I was so happy we had met. It was the edge of no regret. Oh yes. Those crazy years, that was the time of the flower power. But underneath, we had a fear of flying, of growing old, a fear of slowly dying. We took a chance, like we were dancing our last dance. I can still recall our last summer. I still see it all in the tourist jam around the Notre Dame. That it seems. Are you the hero of my dreams? I can still recall our last summer. I still see it all in the tourist chair, running Notre Dame. Le banquier qui sort ses billets, voilà ta mère complètement subjuguée. Maman, tu peux me dire ce qu'il se passe? Ma chérie, tu tombes bien. Je
voulais te présenter mon nouveau compagnon. Ah, il est très riche, tu sais. Et tu fais quoi de Samy? Je te rappelle que tu lui as demandé à lui aussi de venir vivre avec nous et que tu lui as promis que vous seriez heureux. Tu peux pas jouer comme ça avec le cœur des hommes, maman. Il n'est pas question de l'abandonner. Regarde-moi cette petite bouille, là. Et puis, quand tu as de la place pour un dans mon cœur, tu as de la place pour deux. Ah oui. C'est ça. J'ai un énorme cœur. Un cœur de bœuf. Mais tiens, ça me donne faim, ça. Vous voulez pas venir tous les deux manger un bon steak? Et tu fais quoi de Billy? Quoi, Billy? Oh, mais ma chérie, tu as ta robe. Tu es magnifique. Voyons, laisse-moi te regarder. Comme le temps passe vite tout de même. C'est drôle, non? Tu es là, devant moi, avec ta robe de mariée. Et j'ai l'impression que c'était hier qu'on a posé sur mon ventre cette petite chose gluante et beuglante qui était toi. Ta fontanelle sentait le caramel. Ces 20 ans sont passés tellement vite. Fingers all the time. Do I really
goodbye with an absent-minded Pepper, le vrai Pepper. Je le cherche depuis tout à l'heure, mais sans succès. Je suis inquiète. Alors c'est ça, hein. Je t'abandonne quelques heures et toi tu tombes amoureuse de ce premier venu, de ce Pepper, ce misérable humain. Remonte un peu sur l'Olympe, ma belle. Une déesse telle que toi mérite mieux que ce fruluquet sans expérience. Feeling sad, and I understand. You've come
time to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad. Only it's just that no self-confidence. But you see, the winner it takes it je pense, ou alors c'était vers le foie. Enfin bref, je sens que grandit une flamme si vive qu'elle me dévore de l'intérieur. C'est incontrôlable, mais je t'aime, Pepper. Ah, t'as vu, je perds le souffle et la parole. Mon sang se fige. Vois comme je pâlis. Tu vois comme je pâlis? Dis. Non, vous portez des bandages, c'est... Je veux dire, excusez-moi, vous devez vous tromper de personne, je vous ne connais pas. Je dois vous laisser, je cherche quelqu'un. Quoi? Tu ne sais pas qui je suis? Mais je ne te plais plus, c'est ça? Je me trouve laide? Pourtant, tu m'as bien séduite tout à l'heure, avec cette force que tu avais et cette danse. Oh, je vous assure, vous vous trompez de personne. Je ne suis pas... Tu n'es pas quoi? Tu n'es pas Pepper, peut-être? Si, c'est moi, mais... Alors tu apprendras, mon minet, qu'on ne souffle pas impunément sur la braise. Regarde-moi ces hanches, les hanches d'une amphore antique. Pose tes mains, là. Une amphore, vous dites? Oui, une amphore, pleine d'huile, de saumure et d'olive noire. D'olive noire? Je n'aime pas trop les olives, vous savez. Mais alors dans ce cas, des anchois? Tu aimes les anchois? Les anchois, oui, ça va. Alors je serai ton anchois. Rock petit, je vais te faire goûter au paradis. If you change your mind, I'm a first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know. Gonna be around. If you got no place to go, I'm feeling down. If you're not alone, when the pretty birds are flown, honey, I'm still free. Take a chance on me. Thank you.
Mais vous êtes moi ? Eh oui, mon brave Pepper. Ça te choque ? Ou plutôt, je devrais dire, est-ce que ça me choque de me trouver en face de moi ? Mais qu'est-ce que vous dites ? Je me demande si ça me choque de me trouver en face de moi. Je crois que je suis un peu perturbée par cette rencontre avec moi-même. Alors que moi, ça ne me fait rien. Mais c'est impossible ! Qui que vous soyez, monsieur, vous n'êtes pas moi. Et si vous ne déguerpissez pas sur le champ, je vais vous... Tu vas me croire, hein ? Arrêtez, tous les deux ! Eros, ça suffit ! Que vous êtes belle ! Vous êtes qui ? Dis-moi, ma Sof, tu n'es pas déçue ? Non. De quoi ? Ben, au final, nous nous sommes mariés et tu ne sais toujours pas qui est ton père. Disons qu'au vu de tout ce qui s'est passé, ça n'a plus si grande importance. Si je dois avoir trois pères, alors qu'il en soit ainsi. Et puis avec trois pères, j'existe triplement, non ? Oui, c'est vrai, c'est beau. Finalement, tout est rentré dans l'ordre. Alors, bien vrai ? Vous restez tous les trois vivre ici, avec moi ? Oui. Comme ça, tu auras tout le temps pour choisir le meilleur d'entre nous. Hein ? Mais Rosa, t'étais passée où ? Je t'ai cherchée partout. Tu as raté la cérémonie. Tu aurais dû voir ça. Les trois pères à l'hôtel. La tête du prêtre. Oh là là. Ah, c'était impayable.
Et Sophia, elle était si belle. Et Sky, tu l'aurais vu, il était incandescent. Lui et ma petite Sophia, on aurait dit de petits ans, je suis tout craquant. Et Donna, écoute-moi. Quoi? Là, au milieu des deux Peppers, c'est qui? Il y a deux Peppers? Sophia, regarde, il y a deux Peppers. Oui, il y a deux Peppers, un double Pepper. Pepper 1, Pepper 2. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est qui la dame au milieu? Mortels humains, écoutez-moi. Waouh, quelle voix! Qu'il est beau. On dirait un acteur. Un anchois, un bobo cœur rempli d'anchois. Décidément, vous avez le sens de la formule, vous. C'est moi. Non, mon brave Pepper, je ne suis pas toi. J'ai seulement pris ton apparence. Je suis Eros. Et voici Vénus, l'incomparable. Je crois, mes amis, que je me suis assez amusée à vos dépens à semer la zizanie dans vos petites existences. Mais voyez, tout est bien qui finit bien. Donna a réuni ses trois amours. Elle doit désormais choisir à qui donner la pomme. Sophia et Sky se sont mariés. Et je crois voir là-bas un couple qui ne tardera pas à se former, sous les meilleurs augures, qui reçoivent ma bénédiction. Dans l'histoire, Donna gagne trois amants, je perds mes deux Peppers. De toute façon, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un parmi vous voudrait de moi? Non? J'ai une occasion en or, je vous l'assure. Hein. Aucun repreneur? Personne? Bon, eh bien, je suppose que l'amour, c'est pour les jeunes, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? J'ai l'impression de vous connaître. J'ai tout vu, tout. Je ne t'avais pas reconnu. Pas tout de suite, mais maintenant, mes yeux sont dessillés. Embrasse-la ! Plus tard ! Enlève ce bandage, que je sois terrassé par ta beauté. Voilà. Un vrai bourgeon.
c'est moi. Tu te souviens? Cette pluie d'or qui t'était tombée dessus en Hollande, il y a de cela 23 ans maintenant? Ouais, je me souviens. Et ce cygne qui t'accompagna dans le jardin des plantes? Oui. Et ce taureau blanc en Grèce? Oui. Et ce coucou mouillé que tu avais ramassé et recueilli en ton sein dans ta maison de Neuilly-sur-Marne? Oui, le coucou, c'était toi, encore et toujours toi. Oui, c'était moi. Alors, ma Rosa, rose entre les roses, si tu veux bien d'un vieux dieu tout-puissant, je suis ton homme. Je t'emmènerai vivre une éternité d'amour avec Zeus dans le domaine des dieux. Pars avec moi, maintenant! You can take the future.